Nous voici au musée de la métallurgie ardennaise où je vais aller voir une expo d'un ferronnier d'art qui s'appelle Quentin Collin. Alors combien tu dis de degrés ? 1650 degrés, de quoi faire fondre l'acier, dit-il. Voilà, comme je le disais dehors, je suis avec l'artiste Quentin Collin, qui est un ferronnier d'art. Tu me dis si je me trompe. Non, c'est... Un ferronnier d'art, c'est beau parce que j'en ai connu, moi, à la garde républicaine, des mecs qui travaillaient aussi le fer. Ils faisaient pas que les fers à chevaux. Et c'était magnifique. Donc voilà, Quentin Collin, il a cette passion depuis quel âge, Quentin ? Ouf, ben, parce que j'ai là-bas, ben, ça fait à peu près 10 ans que je l'ai. Ah d'accord, donc le poste et tout ce qui s'ensuit. Non, le poste à souder, c'est mon premier outil. On fait le tour avec toi, si tu veux, comme ça tu nous expliques en même temps, et on finira par le tyrannosaure, alors. On va commencer par le poste, parce que c'est le premier outil que j'ai eu. Bah, donc celui-là, c'est un Safro, c'est une marque française, si je ne me trompe pas. Sans avoir vraiment la passion du métal, j'avais déjà cet attrait pour l'acier, sans avoir de... Et qu'est-ce qui t'a amené à ça, alors ? À l'acier ? Ouais. Je sais pas, c'est venu tout seul. C'est venu tout seul ? J'ai pas forcément. Bah après, j'étais en bac pro maintenance industrielle. Ouais. Et en fait, taper sur les machines et commandes numériques, c'est pas quelque chose qui m'attirait plus que ça. Donc moi, je passais la plupart du temps bah, avec. Un des soudeurs reconnus sur Haute-Rivière, Laurent Guindeau, si tu me vois, merci à toi. il m'a fait souder au semi-automatique, puis à partir de là, j'étais plus fourré avec Laurent qu'en train de réparer les machines, dépanner les machines, même si c'était mon métier. Puis au final, j'ai quitté la maintenance industrielle. Ben, l'acier, ça m'a pas... Je soudais une fois de temps en temps, mais ça m'a pas attiré plus que ça. Puis en 2019... Ouais, je me suis dit faut que je fasse quelque chose de mes mains parce que j'en ai envie et ça m'attirait quand même. À ce moment-là, ça m'a plus attiré. Alors j'ai exercé pendant 2 ans, mais j'ai fait l'entreprise CD-Tir, la marque que j'ai créée moi, où je fabriquais des porte-cibles, des silhouettes métalliques, un peu de tout pour le tir à air comprimé, le tir de loisir et pas de chasse. Parce que je suis pas chasseur, mais ouais, j'aimais bien le tir. J'ai exercé pendant 2 ans, puis au moment du Covid, ben, avec la hausse des prix de l'acier, j'ai arrêté parce que le job, comparé au travail que je fournissais, je crois que c'était un peu juste. Et là, en fait, ça a été un cadeau pour moi le fait que l'acier a pris plus de valeur qu'elle n'avait avant, et j'ai arrêté. J'ai fait une petite pause de 2 ans. Puis en rencontrant Séverine et Christophe du Puy de la Vouille avec ma chérie Charlène et en discutant un voilà, petit peu. Voilà, alors c'était ta première expo ça au Puy de la Vouille ? Ouais, ma première expo. Avant qu'ils me proposent d'exposer, j'avais jamais fait d'expo ni d'or. J'avais fait 2-3 bricoles. Puis Charlène me dit montre à Séverine ce que tu fais. Alors je montre. Puis Séverine me dit faut venir exposer. J'étais pas chaud à ce moment-là. Puis. Comme j'aime bien dire, au bout de la troisième bière, je me suis dit pourquoi pas. Et puis ouais, c'est venu de là. Et du coup, ma première expo, c'était il y a à peu près 10 mois, en juillet 2023, du coup. Et je m'étais préparé pendant 8 mois pour faire des œuvres et des choses que je pouvais exposer en premier temps. Mais j'ai commencé par les arbres. Au début, ils étaient plus petits que ça.
Ça a très bien marché. Alors voilà, explique-nous un peu là. Voilà. Je vais me rapprocher de l'œuvre. Hein. Mais alors, on dit toujours que les œuvres ne s'expliquent pas, mais les gens aiment bien comprendre quand même. Hein. Mais en fait, c'est parti de. J'avais fait un petit peu d'abstrait avec des chutes que j'avais récupérées dans les bennes sur Haute-Rivière. Et à un moment, j'ai voulu refaire pareil, un peu quelque chose de, qui s'envolait, mais avec du petit rond. Un peu toutes les tailles, du rond comme ça, ben plus grand bien sûr. Et naturellement, en fait, en faisant ma sculpture, que je voulais qu'elle prenne son envol, ça ressemblait à un arbre. Et c'était pas mal, et du coup, j'ai commencé à faire des arbres. Puis à un moment, Charlène, elle me dit, ben, faudrait que tu fasses des petits bonhommes avec les boulons, les trucs comme ça. Et je me suis dit, c'est vu et revu. Puis après, en réfléchissant bien, je me suis dit, ben, je vais pas faire des bonhommes avec des boulons, je vais faire des bonhommes A, comme dans Le Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Merci Charlène. Merci Charlène. Ah ben oui. Merci Charlène pour m'avoir poussé au cul pour ma première expo. Mais les grands artistes comme toi, Quentin, ont toujours une muse. Ah ben oui. C'est pas la première fois qu'on me dit que c'est ma muse. Mais oui. Ça me va amplement. Vous êtes fait, hein, c'est mon avis à moi, hein, ça n'engage qu'à moi, mais pour être ensemble. Voilà. Je pense. Ouais. Je pense. Vous êtes des artistes tous les deux, de toute façon. Hein. Donc, je suis parti avec des arbres inspirés du Seigneur des Anneaux, même si de base, l'idée, c'était pas de copier le Seigneur des Anneaux, mais je suis parti là-dessus. Et puis, ça a très bien marché, et moi, ça me plaisait de les faire, donc j'ai continué là-dessus. Puis, c'est un peu ma marque de fabrique. Les arbres comme ça. Ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, à chaque arbre qu'on m'achète, moi j'en plante un sur mes terrains aux rivières et c'est un arbre qui. Ah, ça, c'est chouette ça. Qui va être pérenne pendant plusieurs années parce que moi je ne les couperai pas aussitôt. Belle idée. Il y a une conscience écologique voilà, là-dedans. Puis, ouais. J'appelle ça les gardiens. Le nom est venu il n'y a pas longtemps. On m'a dit qu'il faut trouver un nom. Je me suis dit je vais appeler ça les gardiens. Et puis je trouve que le fait que, ouais, gardien de la forêt, puis en plus de ça, les gens qui passent le cap d'en accueillir un chez eux, ben moi en contrepartie j'en plante un chez moi. D'accord. De toute façon, on dit toujours que l'homme est à l'image de l'arbre. Hein. Ah ben oui. Les pieds chez nous c'est les racines, et puis nos mains ce sont les branches. Hein. Ah oui. Donc c'est bien vu, c'est très bien vu. Tout à fait d'accord. Okay. Alors présente-nous ta dernière œuvre là, enfin celle qui est en cours, parce que là tu es en train de sculpter directement sur place, tu es au musée donc de la métallurgie ardennaise. Et tu travailles sur place, ce qui fait que les gens peuvent te voir. Je peux venir me voir et voir mon matériel. Parce que donc jusqu'à fin mai. Fin mai, c'est sûr. Jusqu'au 3 Alors mai. Oui, c'est ça. Il faut non seulement te voir, mais voir ton matériel, voir comment, dans quelles conditions tu travailles. Procéder. Voilà, c'est ça. Et ben là, ma dernière. C'est pas ma dernière, mais. C'est ma première. Pour l'instant, la dernière, mais ce ne sera pas la dernière. Ben, c'est Mâchoire Fantôme. Mâchoire Fantôme, tu l'appelles? Voilà, c'est ça. D'accord. Fantôme. Donc, c'est un tyrannosaure. Tyrannosaure, oui. Tyrannosaurus rex, échelle 1/5. Parce que, quand j'étais petit, mes grands-parents m'avaient offert, avec les éditions Atlas, un squelette de T-Rex qu'on recevait toutes les semaines les pièces. Puis, il dormait au-dessus de mon lit depuis mon enfance. Puis je l'avais récupéré dernièrement, puis je me suis dit que je voulais faire une pièce en fait où vraiment pousser le travail de l'acier, un truc qui tape à l'œil, et qui marque les gens. Et puis je l'avais juste derrière moi, je me suis dit, tiens, je vais faire un T-Rex. C'est chouette, hein, c'est un sacré travail. Hein. Moi j'ai multiplié la taille par deux, il était à échelle 1/10 avant, et moi en le multipliant par deux, ça a divisé l'échelle, et là il est échelle 1/5. Et ça m'a coûté 8 mois de boulot, mais entre mes deux premières expos en fait. Ah oui, parce que tu en as eu une à Deauville aussi. Hein. À Deauville, où j'ai été invité d'honneur grâce à Mâchoire Fantôme. Ah d'accord, et ok. Mais là, c'est la plus longue expo que tu fais actuellement. Là tout de suite. Ouais. Ah oui, un mois. Un mois, oui. Et alors ça va déboucher sur quoi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que l'avenir me réservera. J'ai pas d'attente particulière. Parce que... Oui, mais enfin, il est logique que l'artiste soit récompensé pour toutes les heures
qu'il a passé à gamberger, à réaliser, à se mordre le bout des doigts des fois. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que les gens en prennent plein les yeux et me disent merci, même si moi je suis fantôme, je le vends pas pour l'instant, mais c'est un certain prix. Rien que les gens viennent me retrouver en disant c'est vous le T-Rex. Il est vraiment magnifique, félicitations. Il est magnifique. Ça vaut tout l'or du monde, parce que quand je me suis lancé pour faire ça, c'était... Ah ben c'est ta création, tu es le papa là. Ah oui, c'est moi le papa, et je ne l'ai pas fait pour l'argent, et je pense que c'est ce qui en sort. Moi je l'ai fait pour que les gens... Oui, mais il faut que tu puisses en vivre aussi. Justement, ça, je sais que ça se vend assez bien, après je fais des petites pièces en fer forgé. Ça, c'est plus pour le côté, financier, en vivre et tout. Mais moi, artistiquement, j'ai vraiment envie de faire des choses. D'accord. Magnifiques, si je peux me permettre. Des choses qui valent le coup d'œil, mais qui n'ont pas forcément de but de vente derrière. Je comprends. Je pense que c'est pour ça que Mâchoire Fantôme a autant plu, parce que les gens ont sûrement ressenti que c'était pas, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'idées financières derrière. Donc à la limite, tu serais partant pour qu'on l'expose en permanence ici au musée ou... Ah ben oui, de toute façon, je vais le prêter au musée des minéraux. D'accord, à Bonny aussi. Le temps que moi, j'en ai pas besoin pour les expos, le temps que si un jour quelqu'un me l'achète, une fois que j'en aurai refait d'autres, peut-être que je le laisserai partir, même si ça me ferait du mal. Mais là, je le prête gratuitement pour que les gens puissent le voir et qu'ils découvrent mon travail et ma sculpture. En tout cas, c'est un sacré travail. Je ne dis pas ça parce que je te connais, Quentin. Je dis que tu es véritablement un artiste, que tu as cette âme d'artiste qui t'habite profondément et que, voilà, ça c'est toi. En fait, c'est toi, c'est ta signature, c'est ta patte. C'est gentil. C'est toi. C'est gentil. Voilà. Ouais, donc n'hésitez pas. Voilà, oui. Les grosses pattes. N'hésitez pas à venir donc jusqu'à fin mai. Au musée de la métallurgie ardennaise. Je serai là à peu près tous les jours d'ouverture, là, peut-être 2-3 jours où je prends un peu de temps pour ma vie de famille. Mais principalement... C'est important aussi. Alors, le musée est ouvert donc tous les jours, sauf le lundi, je crois. Dimanche et lundi. Voilà. Donc, il ferme dimanche et lundi. Ah oui ? Ok. Donc, c'est 10h, 12h, 14h, 17h ou 18h en horaire d'été ? 18h. Voilà. Bon, eh ben, mon cher Quentin, on va se quitter là. Je trouve que ton travail est fabuleux. N'hésitez pas à venir, c'est gratuit. Enfin, son expo est gratuit. Il faut quand même payer le musée, hein, les enfants. Mais son expo est gratuit. Je pense que ça va plaire beaucoup aux enfants aussi, parce qu'ils sont passionnés par ça. Eh bien, comme moi, j'ai été passionné. Par la préhistoire. Et te voir, si tu veux travailler sur ça. Je veux dire, moi, si j'étais gosse, je te quitte pas des yeux, hein. Quentin, merci pour tout. Et puis, on croise les doigts. Hein. Et comme c'est pas convenu de dire bonne chance, je te dis merde. Moi, ça me va amplement. Allez, ciao. Salut l'artiste.